Poursuivons nos aventures avec les pastels. Je vais encore utiliser un carnet à esquisses et celui-ci est le blanc doux. Ce papier blanc doux est un peu plus granuleux que le papier blanc pur et je vais faire un paysage donc je mets mon carnet à esquisses en format paysage. Je vais d'abord me préparer à utiliser les pastels. Si vous avez déjà travaillé avec des pastels, vous savez qu'il faut s'attendre à avoir de la poussière. Ce bout de papier ici va me servir de réceptacle pour la poussière. Ça veut dire que je vais tapoter mon dessin ici et y rassembler un grand tas de poussière. Bon, il y a une chose que vous devez savoir si vous commencez avec les pastels, la poussière n'est pas forcément perdue. Si vous faites de plus grands projets, gardez-la et ensuite vous pourrez y ajouter un peu d'eau distillée, ce qui va former un petit amas. Ensuite, vous obtiendrez un morceau de pastel gris moyen. Assez parlé pour ça. Parlons de ce que je vais dessiner. Voilà la photo que j'ai prise dans le Colorado l'année dernière. Juste un mot sur le dessin ou la peinture à partir de photos. En règle générale, c'est bien de ne pas utiliser une image sous doigt de hauteur. Si vous le faites, ne vous faites pas prendre. Mais quand vous faites vos propres photos comme celle-ci, souvent elles ne sont pas extraordinaires. J'ai imprimé cette photo pour du papier ordinaire, à partir de mon ordinateur, donc beaucoup de choses sur cette photo ne sont pas mirobolantes. Cela signifie que j'ai besoin d'user de ma créativité pour savoir comment transformer cette photo en une excellente composition. Mais il faut faire cela, quel que soit le support sur lequel vous travaillez. Donc je vais commencer par vous initier aux techniques de base du dessin au pastel. Vous n'êtes pas obligé de faire cela, mais j'ai pris l'excellente habitude de tracer une limite. Dans ce cas précis, je la trace à environ 1 cm du bord de la page. Je le fais pour plusieurs raisons. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est une bonne habitude à prendre. L'un des principes fondamentaux du dessin au pastel est de travailler en couche, du haut, du bas vers le haut. On va de la peinture du fond vers les détails. Donc je prends mon bleu clair pour faire le ciel au loin. Vous savez bien que le ciel est plus clair quand il se rapproche de l'horizon et d'un peu plus foncé lorsqu'on monte plus haut. Nous avons ici dans ce kit de pastel deux belles nuances de bleu, ce qui est très pratique. Je n'ai pas trop de détails en tête pour le moment, juste des idées très vagues par rapport à mon image. Maintenant, un vert citron, un vert clair, un vert printemps peut-être, du jaune vert pour l'herbe au milieu du dessin et un vert foncé pour l'herbe au premier plan. Ça suffit. Vous voyez comme c'est rapide quand vous utilisez le côté de votre pastel. Je veux que ce vert au premier plan soit beaucoup plus sale que cela. Donc je vais rajouter du marron. Et maintenant, pour mes montagnes, plus loin, dans la peinture, je vais reprendre mon bleu, et je crois que je vais. Non, non, je ne vais pas le faire. C'était un débat dans mon esprit. Vous avez entendu, je ne vais pas encore utiliser le noir, non, pas tout de suite. Et pour estomper sur ce dessin, j'utilise un morceau de serviette en papier plié, et je vais estomper tout cela comme cela. Et voilà essentiellement le fond de ma peinture, ou ma première couche de pastel. Je veux qu'elle soit très tendre. Le papier est encore assez granuleux. Cela veut dire que mon papier est prêt, qu'il veut et qu'il peut absorber plus de pigments sans aucun problème. Voilà. Maintenant on va mettre du noir. Jusque-là j'ai cassé tous mes pastels. Certains d'entre nous se disent peut-être, mais si on les casse tous en deux, pourquoi est-ce qu'ils ne les vendent pas par moitié En fait, ils le font. On peut acheter des pastels en morceaux de 2,5 cm si vous préférez ce format. Voilà une chose qu'il est bon de savoir dès le début. En ce qui concerne les pastels, un peu de noir se voit beaucoup, donc j'y vais très doucement avec mon noir à cette étape. C'est très facile pour cette couleur de prendre le contrôle. Toutes les autres couleurs avaient tendance à éclaircir lorsque je les étalais. Mais quand vous étalez du noir, il devient plus foncé. Je suppose que ça se vérifie dans toutes les couleurs sombres. On dirait que le noir prend une vie propre. C'est comme le balai de l'apprenti sorcier il libère encore et encore de la couleur. Donc il faut faire un peu attention avec le noir. Le dessin va pas mal s'assombrir avant d'être terminé, mais je ne veux pas que la couche du fond soit plus foncée que cela. Est-ce que vous commencez un peu à voir l'image qui se forme Maintenant, je suis presque à commencer à faire des détails dans le ciel. Mais avant de faire cela, je veux m'assurer que mon dessin soit exactement où je veux qu'il soit. Je veux que ma montagne, au loin, soit un peu plus haute. Donc, je vais faire cela. Je vais reposer la photo pour que vous puissiez voir ce que je regarde. Vous voyez bien Voici un principe très important que vous devriez garder à l'esprit lorsque vous dessinez à partir d'une photo. Notre but n'est pas de copier la photo. D'abord, cette photo est correcte. Mais pas extraordinaire. Notre objectif est de produire une belle œuvre d'art indépendante. Nous n'utilisons cette photo que comme une inspiration, comme un point de départ, comme un tremplin pour une belle œuvre d'art. Donc faites attention à regarder votre travail avec un œil plus critique. Ne vous contentez pas de suivre une image. Bon, je pense que c'est bon. Je veux un peu de bleu ici. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, pourquoi demander pourquoi Je suis content que vous ayez posé la question. Une règle d'or académique veut que vous, lorsque vous utilisez une couleur dans votre peinture, vous devez essayer de l'utiliser partout dans votre travail. C'est assez académique et naturellement, toutes les règles peuvent être enfreintes. Une autre raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'aimais la sensation de cette couleur quand je l'ai étalée. J'ai pensé qu'elle rendrait bien ici au premier plan. Jusqu'ici, c'était une bonne idée. Maintenant, je suis prêt à faire le ciel. C'est facile de mettre des couleurs sombres sur un fond clair, mais beaucoup moins d'obtenir quelque chose de clair sur un fond sombre. Vous voyez comment les pastels fonctionnent ainsi, je vais commencer avec des couleurs claires et faire des nuages ici, car ce sera facile de contourner ces nuages et de faire un ciel bleu foncé, mais ce sera assez difficile de mettre du blanc par-dessus un bleu foncé. Maintenant, quelques remarques à propos des fixatifs. Il existe toutes sortes de fixatifs, ils sont très bons. Maintenant, vous pouvez jouer avec ces produits et apprendre à les utiliser. En règle générale, pour les pastels, il faut utiliser surtout des fixatifs sur la première couche de votre dessin. C'est donc le bon moment pour utiliser un fixatif. En effet, les fixatifs, même s'ils sont très utiles, ont tendance à manger les pastels et à assombrir légèrement les dessins. La règle d'or, c'est d'utiliser un fixatif au début plutôt qu'à la fin de votre travail. Je vais faire ce qu'on appelle conventionnellement des trous de ciel dans cet arbre. Je regarde à travers les branches et on voit le ciel. C'est un coup à prendre. Ce n'est ni automatique ni naturel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce que nous essayons de faire ici, c'est de faire ressembler à un arbre. À cette étape, je commence à avoir un bon tas de poussière. Ce n'est presque que de la poussière blanche parce que j'appuie plus fort qu'avant. Je commence à avoir de la poussière, donc je vais tapoter mon papier au-dessus de mon réceptacle à poussière. Parfois, je tire vers le haut les bords d'un papier comme celui Ou alors, vous pouvez utiliser un, une poêle ou un plat à tarte en aluminium. Et mettre votre poussière ici. Mais le papier convient aussi. Maintenant, je suis prêt à faire un ciel d'un bleu plus foncé autour de ces nuages. Si cela ne vous dérange pas, je vais arrêter de me parler et me contenter de travailler. Vous pouvez me regarder pendant que je dessine. Donc, vous voyez, en fait, d'abord les grandes zones, puis les détails, c'est l'ordre dans lequel il faut procéder. La toute dernière chose que j'ai faite dans le ciel, c'était de reprendre mon pastel blanc et de l'appliquer sur des bords coupants de ces nuages. Maintenant, je suis prêt à commencer à descendre sur mon dessin, sur la scène, pour arriver à mes montagnes, au loin, dans l'arrière-plan. Donc, je vais prendre mon bleu. Et comme les montagnes sont bleues avec une petite touche de vert, je vais estomper un peu les couleurs. Mes détails sur les montagnes au loin sont faits. Généralement, vous voyez que je, voyez que je travaille de l'arrière-plan vers le premier plan. J'ai commencé par ce qui était le plus loin, le ciel, et je me rapproche du premier plan. C'est comme cela qu'on dessine au pastel. On pose des couches les unes sur les autres. Ce serait plus difficile de faire un ciel après avoir dessiné quelque chose au premier plan. J'ai réalisé ce ciel et je me rapproche du premier plan. Maintenant, il est temps de dessiner un peu ces granges. Une fois encore, laissez-moi vous montrer mon image de référence. À cette étape, il faut que je prenne des décisions. Je crois que la photo est un peu trop complexe et même si j'aime beaucoup la façon dont l'ombre frappe ce toit en tôle ici, je crois que je vais supprimer totalement cette grange. Et cette forme est la plus intéressante. Je vais l'amplifier légèrement dans mon dessin et utiliser ceci en la réduisant un tout petit peu. Naturellement, cela nous donne l'opportunité de dessiner en perspective. Au passage, vous remarquerez qu'ici, j'ai presque fait un cliché. Il faut faire attention avec les clichés, ils peuvent être presque surfaits. Mais le cliché veut que les montagnes soient plus sombres au sommet puis s'estompent dans les zones plus proches de la vallée. J'ai fait cela ici. J'ai eu l'impression que ce serait un usage approprié pour cette petite astuce. Vous voyez ici, en bas, il y a un bleu clair et plus haut, un bleu foncé. Et puis je veux que le pignon, le haut de cette remise, ressorte dans cette zone bleue. Ce sera peut-être le point focal de ce dessin. À cette étape, il faut que je fasse un peu plus de perspective. Toutes les lignes sur ce côté de la grange convergent sur un point à peu près ici. Maintenant, je regarde vraiment avec attention. Si je voulais être pointilleux, je sortirais une règle pour m'assurer que ces lignes convergent bien, mais pour un dessin de cette taille, l'œil me suffit. Et puis, tous les panneaux sur le côté de la grange convergent sur un point qui se trouve probablement en dehors du dessin. Ils convergent presque vers nous. Donc, voilà pour cette grange. Et je pense que je vais en ajouter encore une. Oui. Je vais juste la repousser un peu plus en dehors de la scène par rapport à la photo. Je ne suis pas obligé de faire cela, mais je trouve que le poteau de téléphone qui dépasse ici est un petit détail délicieux. Je vais simplement le mettre plus haut dans le ciel. Donc, il se verra un peu mieux en se découpant sur le bleu vert pâle du ciel. Depuis cette ligne, que ce soit le téléphone ou l'électricité, voilà, j'ai fait une partie de la base de mon dessin. Maintenant, il faut décider de quel côté vient la lumière. Honnêtement, quand j'étais là-bas, près du Colorado Spring, l'été dernier, il était presque midi. Cela veut dire que la lumière tombait presque à la verticale. Un éclairage peu intéressant. Mais on a le droit, le privilège et la responsabilité de rendre la lumière plus intéressante dans le dessin qu'elle ne l'était sur la photo. Donc je vais simplement mettre le soleil plus bas et le rapprocher de l'horizon sur ma gauche. Comme cela, je vais obtenir des ombres plus spectaculaires. Vous allez me laisser faire cela Parfait. Je me disais bien que vous accepteriez. Donc plutôt que de n'avoir que cette ombre de l'arbre juste sous l'arbre, je vais allonger l'ombre vers la droite. Et puis bien sûr, je dois réfléchir à cela. J'y réfléchissais déjà avec les nuages, mais ça ne me faisait pas une grande différence avec les nuages en particulier. Mais maintenant, on commence à voir une différence. Donc, je veux faire plusieurs choses. D'abord, je veux indiquer l'ombre de cet arbre, et je vais utiliser une combinaison de bleu et de noir pour poser grossièrement cette ombre. Et maintenant, même si l'on le voit à peine sur cette photo, je veux vous montrer un élément qui est difficile à voir. Vous voyez cette zone claire juste ici Elle est claire en partie à cause du fait que l'herbe dans cette zone est un genre d'herbe différent, plus clair. Je vais utiliser ce détail et l'exagérer, l'exploiter un peu plus. Je crois que je vais utiliser une couleur tendant vers le doré. Et cela va me donner une, une jolie zone lumineuse juste ici. Encore une fois, comme je modifie la photo, je veux que cette zone-là soit le point focal. C'est là que je veux avoir le plus de contraste. Mes angles les plus durs et ainsi de suite. Donc ici, j'utilise ma zone de lumière pour arriver à cela. Et maintenant, un peu de couleur à cet autre endroit. Gardez à l'esprit que si vous utilisez une couleur à un endroit, vous devriez essayer d'en mettre un peu partout ailleurs. Je crois que ça suffira. Très bien. Je n'ai pas besoin de dessiner plus. Maintenant, je vais revenir dessiner l'objet le plus loin. Et si cela vous va, nous allons encore utiliser l'avance rapide pour que vous n'ayez pas à me regarder lentement rendre ces arbres. Très bien, occupons-nous des arbres. Donc la dernière chose que je fais sur ces arbres, c'est y revenir et ajouter ce que la plupart des gens appellent des trous de ciel. Mais ça ne marche pas vraiment parce qu'il n'y a pas de ciel derrière ces arbres, mais des montagnes au loin. Donc je suppose qu'on pourrait appeler ça des trous de montagne. De petites traînées de lumière dans les arbres qui rendent le dessin plus intéressant et plus éclatant. Cela ajoute aussi une touche de réalisme. Mes arbres sont presque terminés. Et vous avez vu que pendant que je dessinais mes arbres, comme j'avais du noir dans la main et que je suis ce principe qui veut que quand vous utilisez une couleur, il faut essayer de l'introduire à plusieurs endroits, j'ai posé un peu de noir là-bas. C'est devenu une route. C'est une très bonne astuce. Toutes ces astuces sont bonnes à savoir, mais c'est facile d'en faire trop. Donc il faut toujours essayer de garder l'équilibre entre un cliché visuel et l'exagération d'un cliché visuel. Le cliché visuel d'une zone en forme de Z ou de S qui vient dans votre scène attire la personne qui regarde vers votre scène. Ça fonctionne très bien et j'ai décidé que cet endroit conviendrait bien pour faire cela. Pendant que j'y suis, je vais ajouter un peu de marron ici pour laisser voir un chemin de terre qui passe par là à travers l'herbe. Voici un bon conseil. Où est mon point focal dans la peinture oui, vous avez raison, il va être ici, il est déjà assez bien fait, cela signifie que le reste de la peinture ou du dessin ne doit pas être aussi détaillé, car il n'est là que pour soutenir le point focal, si vous voulez. Donc je vais faire attention à ne pas trop faire de détails là au premier plan. Estomper les couleurs le long de ces lignes. Je vais brouiller un peu cette zone pour qu'elle n'attire pas trop l'attention. Je vais revenir en bas du dessin pour ajouter quelques détails. Maintenant, revenons à ces granges et nous prenons des décisions importantes. Une grange traditionnelle serait rouge et j'aimerais beaucoup introduire du rouge sur ce dessin parce que jusqu'à présent, je n'y ai mis que des couleurs froides. Il y a juste une touche de jaune ici pour plus de chaleur. Tout cela est purement intuitif et je ne sais pas comment justifier ce genre de décision. Mais en fait, j'ai l'impression que faire cette grange en rouge ferait un peu trop cliché. Donc, je vais la transformer en une grange blanche. Elle ne va être blanche que d'un côté bien sûr parce que l'autre côté est dans l'ombre. Je veux un point lumineux ici pour que la zone garde son importance en tant que point focal de la peinture. Je vais tourner la peinture sur le côté pour un moment. Je vais poser juste une petite touche de rouge sur la grange qui fera allusion à un toit en tôle rouillé. En fait, en tout cas ici aux États-Unis, je pense que beaucoup de toits en tôle sont peints en rouge. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai dans le reste du monde, mais je crois que oui. Je regarde et je réfléchis. Je pense que c'était une bonne intuition. Je vais peut-être m'en sortir avec un peu de rouge ici et un peu de jaune orangé sur le toit. Et de nouveau, je pense au toit en tôle qui est délabré, le toit en tôle rouillée. Je vais assombrir cette ombre. De nouveau, je suis conscient de la direction d'où provient la lumière. N'oubliez jamais d'où vient votre lumière. Voilà une partie du faîtage ici, et bien sûr, je vais faire quelques détails sur la porte. Au passage, quand j'étais dans le Colorado à photographier cette grange, j'ai garé ma voiture à côté de l'autoroute près de Monument, dans le Colorado, et ne le dites à personne. Mais je suis passé par-dessus une clôture pour rentrer et prendre quelques photos de cette jolie ferme abandonnée. Je marchais près de plusieurs dépendances, je passais devant une porte ouverte quand tout à coup, deux énormes cerfs émillonnent bien plus imposants que nos cerfs de Virginie, sont sortis en bondissant de la porte juste à côté de moi. Ils n'étaient même pas à deux mètres de moi j'aurais pu tendre la main et les toucher. Comprenez moi, j'avais mon appareil photo dans la main, et j'étais tellement choqué de les voir sortir comme cela, que je n'ai pas pris de photo pendant qu'ils étaient avant qu'ils ne soient à quatre-vingts mètres de moi. Je ne pourrais jamais être photographe animalier. J'étais beaucoup trop choqué pour me dire ⁇ Eh oui, j'ai mon appareil dans la main, j'aurais pu prendre une belle photo d'un cerf ⁇ Enfin, dans tous les cas, c'était une aventure amusante. J'ai adoré la raconter à mes amis quand je suis rentré. J'ajoute de petits détails dans cette, sur cette grange. Je veux qu'elle ait l'air suffisamment délabrée. Oui, pas mal. Je la maquille maintenant, vous voyez. Juste un bout de poteau de clôture ici, ou alors un barreau décroché, oui, je crois que c'est cela. Encore une fois, je pose de petites touches juste pour mettre l'accent sur le point focal, et je reviens ici avec du blanc juste pour mettre en valeur ce point. Un peu plus, vous allez vous apercevoir, après avoir fait du pastel pendant un certain moment, que vous ne pouvez plus ajouter de couleur. Le papier n'accroche plus, il refuse de porter plus de couleurs. J'en suis presque arrivé à ce point. Mais ça ne fait rien, j'ai fini ce dessin à 80%. Tiens, on va repasser en accéléré et je vais terminer le premier plan et les autres détails finaux. Poursuivons nos aventures avec les pastels. Je vais encore utiliser un carnet à esquisse et celui-ci est le blanc doux. Ce papier blanc doux est un peu plus granuleux que le papier blanc pur. Et je vais faire un paysage, donc je mets mon carnet à esquisse en format paysage. Je vais d'abord me préparer à utiliser les pastels. Si vous avez déjà travaillé avec des pastels, vous savez qu'il faut s'attendre à avoir de la poussière. Ce bout de papier ici va me servir de réceptacle pour la poussière. Ça veut dire que je vais tapoter mon dessin ici et y rassembler un grand tas de poussière. Bon, il y a une chose que vous devez savoir si vous commencez avec les pastels, la poussière n'est pas forcément perdue. Si vous faites de plus grands projets, gardez-la. Et ensuite, vous pourrez y ajouter un peu d'eau distillée, ce qui va former un petit amas. Ensuite, vous obtiendrez un morceau de pastel gris, moyen. Assez parlé pour ça. Parlons de ce que je vais dessiner. Voilà la photo que j'ai prise dans le Colorado l'année dernière, juste un mot sur le dessin ou la peinture à partir de photos. En règle générale, c'est bien de ne pas utiliser une image sous doigt de hauteur. Si vous le faites, ne vous faites pas prendre mais quand vous faites vos propres photos comme celle-ci